December, the parking lot at Gentello Market turns into an urban forest, with birds and lights and music. That's when the Christmas tree sellers arrive in their trailers and set up camp. They actually stay here, they sleep here, watching over their trees. Lionel Filion has been selling Christmas trees to Montrealers for three generations. On a commencé ici il y a environ 34 ans, on a commencé les sapins de Noël. Et puis, disons, lorsqu'on a commencé, bien, ces sapins étaient petits. On a commencé, c'était petit. On arrivait ici, ça nous coûtait 5 $ par jour pour vendre des sapins de Noël. Mm-hmm. Mais disons, aujourd'hui, je dirais, la grosse différence, c'est que les arbres sont plus courts aussi. Avant ça, c'était seulement des sauvageons qu'on vendait. Aujourd'hui, c'est des arbres cultivés. Les sapins de Noël, dans le temps, ils se vendaient peut-être un 7-8 $, 10 $ environ chacun. Montrealers who came here as children to pick their Christmas trees come back with their own kids. It's a family affair for the Filions too. J'ai mon garçon, j'ai deux de mes petits-fils qui sont toujours ici. J'ai une de mes sœurs, j'ai un de mes frères. Ça, on est toujours ici, nous autres, pour travailler. Et puis on a aussi un petit camper, fait qu'on se sépare un peu là-dedans. On est toujours, normalement, il y a toujours à peu près 5 personnes qui cookent ici. Okay. Here, this is our house, you know, for all the Christmas time. You know, here, this is where we sleep. My brother sleeps right here. And this is inside. We have the music here. We have just a push here, and the music is outside all the time. Here, you see, this is, we sleep again too here all the time. And after the other one, sleep on the other side. On a toute la famille, ça, c'est une grosse famille. Là. On est ici, on est quasiment une vingtaine de personnes, puis ça, des liens, là, la cousin, cousine, ma tante, mon oncle. Ah oui, les fins de semaine, là, il y en a beaucoup qui viennent travailler ici. Fait que c'est ça, nous autres, pareil, c'est que notre petite maison, là, notre petite vie pour tout le mois de décembre. Là.